job's a joke, you're broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Oh mon Dieu. Et toi, Ménage, a été comment ta soirée? Ah oui, je suis une pauvre. Regarde. Les soirées, ils sont pourraves. Si longtemps. Pourquoi? Parce que... on est en pleine quête. Mais genre... Je allez, viens. Ça tourne, mais c'est parce que t'es pas dans la bonne position. Ouais, mais je peux pas bouger. Bonjour. Mohamed. Viens. Bon, j'ai pas été à l'instant, je pense, ça. Hein? J'ai pas été à l'instant, ouais. Attends, dis-moi ça, en face de la caméra, t'as pas... Toi, t'es trop bête pour pas être allé à la... pour être allé à la soirée. Ouais, je suis pas allé à la soirée, mais... Oh la fond, t'as pas honte. Bah, ça se voit que t'étais pas à la soirée. Monsieur, il était. T'es beaucoup trop sereine. C'est d'avoir la classe. Est-ce que tu veux qu'on t'aide? Non, non, sympa. Non, je vais rester là un petit peu. Tu as peut-être une couverture? Non, faut que j'aille en cours dans une demi-heure. Oh. Ouais, essaie de dormir, hein, parce que putain... Ouais, j'aurais pas été bouillie. Attends, j'ai une idée au cas où, parce que... Je sais qu'on se sent mal quand on dort comme ça. Je te pose un peu d'indice. Ah non, vas-y. Ah non, dégage, ce truc, c'est horrible. C'est un glodeur, ça. Moi, je dis, c'est quoi un pastis au local en 2012? C'est la base. Eh, design informationnel oblige. Je suis sympa, je suis allé mon débat. On a une interview à faire, mais super importante. Ah ouais? Genre, ouais, on veut savoir. Ta soirée, c'était comment? Parce que moi, j'y suis pas allé. J'aime pas les soirées. On est pas allé à la soirée, hein. Ça va, au pire, en 2012, c'est quoi un micro-couloir? Est-ce que tu peux deviner qui, dans cette école, a chopé un mec de la sécurité hier soir? Ah, c'est toi? Écoute, on n'a pas gagné. T'étais quoi, une fête de... Non. Capote. Attends, un mec de la sécu, non, sérieusement? Et les capotes qui sont arrivées quatrième, t'en penses quoi? Ça fait mal. C'est à cause de leur nom. Ah, capote, capote. Une Grébert? Non, une meuf. Ah, c'est génial! Ta gueule a été tunée. Où sont les stitches? Ils sont passés ou pas? Et dans tout ça, la vraie question c'est qui a gagné la capote mobile? Ah, en fait, je voulais pas le dire, mais ils ont pas voulu me donner la capote mobile. J'ai joué à un jeu! Coucou, tu veux voir ma bite? Non, c'est bien ce que tu dis, tiens, encore de la merde. Coucou, tu veux voir ma bite? Ah, mais maintenant tu m'as bloqué, je sais même plus quoi dire. Elle est dans les dauphins d'or? Les Tekken Puff ont gagné. Ouais, ils sont passés. Non, j'ai pas eu de balancer de bien, ça se passe. Ouais, si, c'est mort. T'as secoué la fille de la sécurité avec rouge. C'est Gemma Nabert qui nous dit. Là, c'est. Ouais. Là, c'est Scoop. Carrément. Vas-y, mollo. Demande-lui. Et vas-y, ça restera entre nous. Ah, Olo, ouais. T'as voté pour eux, tu peux l'avouer. C'est pas la soirée. T'as voté par procuration, fils de porc. Il paraît qu'on lui a lancé un pari, la meuf, et elle l'a fait. On n'était pas dans la même soirée, c'était les rougeants. Ah, c'était les mythologies. Ah oui, mythologies. Intéressant. Et alors, t'en penses quoi? Bah, ils sont bien. Ah oui, ils nous avaient fait plein de bouffe, genre, c'était trop cool. Mythologie. Tiens, moi. Y'a, vas-y, dis-moi. Je pense que je suis pas allé à la soirée. Moi, t'étais juste devant moi dans le bus déjà, donc... Oui, mais non, mais la vraie question, on sait que t'es rentré chez toi. Mais avec qui? Mais la vraie question, c'est... Quand est-ce que c'est le challenge? Quand est-ce que c'est le challenge? Si. Non, mais je vois pas. Et donc, rien de très concluant. Moi, j'ai rien fait du tout, parce que je suis pas le plus gros fêtard. Mais si. Ah, mais dans ta soirée, il y a eu des choses un peu plus concluantes, peut-être? Non. Par contre, tu vois, t'as levé les yeux bizarres. Dis-moi, c'était bien ou pas? Franchement, je me souviens pas du tout. Mais alors, pourquoi t'as payé 11 euros pour pas t'en souvenir? Je me souviens juste du retour où j'ai vomi partout en sortant du bus, je sais pas où. Moi, je dis au pire, en 2012. C'est quoi une shop dans un local? Il y a comment il s'appelle, qui est dans les dauphins d'or, avec les lunettes. Oh non, par contre, attends, c'était les Galactis, ils ont offert des sandwichs.
Ah bon, putain, j'en ai mangé un. J'en ai mangé deux. Ils étaient tout mouillés. Ce qui est bien. À un feu rouge, je suis descendu. Et genre, pour vomir, genre le bus est reparti. Genre, numéro 1. Au milieu de nulle part. Galette 1, galette 2. Galette 2, bah sur le chemin en fait. Genre, juste quelque chose tombe sur le chemin. Je crois que t'es une galette des rois en fait. Un peu. T'es quand même un roi. T'es quand même bien. Ouais, c'est nul à chier ici. Ouais, mais en Suisse, y'a personne. Personne. Ils sont pas solides. Est-ce que t'acceptes? Parce qu'elle est quand même en campagne de plus grosse chopeuse. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pour la caméra. Parce que tu peux être sympa. Enfin, petit chop, mais pépouze. Genre. Mais attends, mais. Non, mais c'est pas Floriana Nicastro, c'est pas. J'allais dire Claire Desromo, j'aurais bien vu dans ce genre de Paris bourré. Mais pas la Zona. Il est vraiment nul. Hein. T'en penses quoi des bars à papa? Moi je pense qu'il fera un bon BDE. Ouais, c'est nul à chier. On a pris... Mais toi t'as pas respecté la tradition. Quelle tradition? Le plus j'aime le lendemain de soirée. Leçon numéro 1, le plus j'aime le lendemain de soirée. Pour choper Paul Markovic, il faut vraiment vouloir quoi. Évidemment, j'ai donné de ma personne, attends. Chope-clé du soir. C'est, attends, c'est quoi la chope-clé? J'ai pas entendu. C'est Noclair dans le bus. Je sais pas moi, je... Attends, leçon numéro 2. Sûr que tu le connais. On mange quoi après une soirée? Je ne sais pas. Joker. Énorme de mec. C'est qui Paul Markovic en fait? Un gros con. Ouais, mais un con sympa ou un con... Ouais, franchement, il est sympa. C'est le mec qui sort sa bite, quoi. Le mec qui pose ses couilles sur la table. Ah, genre, pourtant, un mec qui sort sa bite, c'est un mec sympa. Oui, c'est la définition première du mec sympa, le mec qui sort sa bite. Tu devrais prendre rendez-vous, je pensais que Cédric Copter, t'en as entendu parler ou pas? Oui, j'ai vu, mais je le connais pas. Mais Et tu penses qu'il est sympa, déjà, c'est sûr? Bah, vu sa réputation, ouais. Ouais, il m'a l'air d'être un type bien, ouais. Ah, on me signale dans l'oreillette qu'il y a un membre du forum... Si, si, mais non, regarde. Viens, on va au cours avec toi. Ce qui était bien teasé. Non, mais non, mais lui, il a regardé son jean. Non, c'est. Oui, les sacs à pas. Grande pamplemousse. Grande pamplemousse, c'était vraiment. Du passis, ils avaient. Du passis, si tu viens pas, moi. Ok, je pense que ça va suffire. Thank you. Gracias. You are Cinderella. That's what I said. T'es un gros connard.